purement humain. Come together. Bayonne, sixième journée du top 16, le derby basse, coup d'envoi donné par le demi d'ouverture du Biarritz Olympique. Julien Peyrelong, premier gros point chaud. Déjà sous ce coup de pied de renvoi à la limite des 22 mètres, une récupération bayonnaise. Et les Bayonnais bien sûr en bleu et blanc, les Biarros en rouge et blanc. Et premier groupé pénétrant pour l'aviron, justement avec Daniel Larichia qui occupe le poste d'ouvreur cet après-midi. Long coup de pied pour Nicolas Brusque, l'arrière du BO international. La chandelle de Nicolas Brusque à la réception des Bayonnais, notamment avec Christophe Laurent, et intervention de Monsieur Massiello. Première intervention pour un en avant bleu. Il redonnera donc une mêlée au rouge. Oui, d'entrée, on a vu les avants bayonnais partir dans un groupe pénétrant, répondre présent au combat, au défi physique que va certainement imposer les Biarros pour marquer leur territoire. Introduction de Dimitri Yachvili et pénalité, première pénalité, et les Bayonnais sanctionnés, mais les joue vite du côté de Dimitri Yachvili qui sert à hauteur, c'est bien joué. Non, non, monsieur Massiello qui est intervenu bien avant. Et il redonne une pénalité. Oui. Il redonne une pénalité à Biarritz, c'est peut-être une petite obstruction d'un Bayonnais. Oui, et surtout, Yachvili n'a pas joué la pénalité au bon endroit. Allez, Nicolas Brusque qui essaye de rapprocher son équipe de l'embut bayonnais. S'il vous plaît, dans l'axe. Il est déjà rentré une première confrontation. La première mêlée, on voit les Biarros. Décalé. Qui veulent s'imposer. Et vous doutez du contexte évidemment très particulier qui entoure cette rencontre depuis très très longtemps. Hein. On s'est arraché les nombreuses places. Ici, tout le Pays Basque attend cette rencontre. Stéphane, rapidement pour faire le point sur les conditions météo, on le disait avant match, elles sont excellentes, il fait vraiment très beau au Pays Basque. Et les Bayonnais ont gagné le toss et ils ont choisi de jouer avec le vent dans le dos, un vent qui souffle donc de gauche à droite et qui va sûrement les aider à pouvoir se dégager. Et voilà, il se dégage par l'intermédiaire de James McLaren. Long coup de pied, très très beau coup de pied trouvé par le 3 quart centre de l'aviron bayonnais, et la première touche intéressante sur la ligne des 22 mètres. Oui, on va la sortir, on voit les Bayonnais qui avancent à mêler. Hein, soit les Bayonnais et les Biarros, on va avoir une certaine fierté à avancer à mêler, donc ça promet quand même de belles joutes, puisque les piliers basques sont réputés quand même pour aimer ces confrontations. Allez, lancé en touche pour Jean-Michel Gonzalez, lui aussi, ancien Bayonnais, 13 ans dans le club de l'aviron bayonnais. Et il connaît bien ces derbies, Jean-Michel. Gonzalez. Pilier basque, s'il en est de nature. Et le groupe est pénétrant. Le groupe est pénétrant, emmené par Serge Betsen. Les Biarros récoltent une pénalité. Les Bayonnais ont à nouveau pénalisés sur cette action. Oui, ils sont mis à la faute. Je crois que c'est Cléda qui est venu sur les côtés dans leur groupement et qui n'était pas lié dans l'axe. Effectivement, pour Gonzalez, c'est peut-être un des rares à avoir connu déjà les vieux derbies dans leur rugby qui n'étaient pas professionnels. Il y a beaucoup d'histoires, hein. Il y a beaucoup d'histoires aussi qui entourent cette rencontre. Il y a le face-à-face, bien sûr, entre Serge Betsen et Yannick Lamour, le troisième centre de l'aviron bayonnais. Ils ont joué ensemble à Biarritz. Ils se connaissent bien sûr très bien. Ils sont face-à-face aujourd'hui. Il y a aussi l'histoire de deux piliers samoans, Jérim Tomuli côté bayonnais, qui se retrouvera en face de Leala Manua, le pilier samoan du Biarritz Olympique. Ils ont participé à la Coupe du Monde. Le basque s'est internationalisé. Ouais, le ballon pour les Bayonnais sur la ligne des 40. Justement, Yannick Lamour, on le retrouve. Il est bien pris par Denis Avril. Retourné dans son camp, mais le ballon va quand même sortir. Et M. Massiello qui intervient, il pénalise. Il pénalise les joueurs de Biarritz pour une faute au sol. Ils ne se sont pas replacés assez vite. C'est Denis Avril qui a été sanctionné sur cette défense. Il n'a pas fait l'effort de se retiré du regroupement. Il a gêné la sortie du ballon bayonnais, ce qui permet au bayonnais d'occuper
d'occuper le terrain. Il faut qu'ils en profitent du VAR. Et de bien occuper le terrain par l'intermédiaire de Daniel Larrechea, l'une des révélations de ce début de saison du côté de Bayonne. Il avait inscrit tous les points de son équipe la semaine dernière lors du match nul de Bayonne face à Bourgoin au stade Jean Daugé. Et Daniel Larrechea aujourd'hui occupe le poste d'ouvreur. Car Lissandro Arfissou est blessé, il a été laissé au repos pour cette rencontre. Yachvili pour le dégagement de Bidaboué qui trouve une belle touche. Et rapidement joué par Vincent Moutari avec Benjamin Thierry, l'ancien joueur de Colomiers. La chandelle de Benjamin Thierry et la récupération. Philippe Bernatzal qui a réussi à bien capter ce ballon. Il a franchi à une médiane, il va pouvoir libérer ce ballon. Et on se met à la faute du côté bayonnais. On est sanctionné, c'est rapidement joué par Dimitri Yachvili. Les bayonnais ne sont pas à 10 mètres. Et Nicolas Drousse qui tente de prendre l'intervalle. Il va peut-être retrouver du soutien à hauteur. C'est bien joué avec Julien Perrolon qui retrouve Martin Gaïtan. On est dans les 22 mètres de l'aviron bayonnais. Ça joue même sens avec Dimitri Yachvili. Et sur le côté droit maintenant, c'est bien engagé tout ça, cette petite histoire. Emmanuel Arinor aussi en touche. Et voilà la première belle offensive du Biarritz Olympique. Et Patrice Pagisquet, c'est tout satisfait de l'entame de match. Oui, Biarritz qui essaye de mettre le concours de plusieurs fois comme Yachvili, vouloir jouer les pénalités rapidement. C'est le cas là avec un très beau relais de Brusque qui fait l'intervalle, qui arrive à croiser. Berrelon, regroupement. Et libération du programme sur Dimitri Yachvili et lancé la prise de balle de Jérôme Thion et ça joue du côté de Biarritz avec Julien Perlon qui essaye de prendre l'intervalle. Il est stoppé par la troisième ligne bayonnaise. Le ballon qui va ressortir, on n'est plus qu'à 6-7 mètres maintenant de la ligne de l'aviron et le bruit, le public d'Aguilera qui commence à gronder. Et les supporters qui vont pousser le Biarritz Olympique avec Thibault Lacroix en position de demi d'ouverture. C'est rapidement joué avec Martin Gaïtan et intervention bayonnaise et les bayonnais ont récupéré ce ballon en situation chaude. Ils s'en sont bien sortis les bayonnais. Julien Tilleul derrière ce regroupement, c'est bien joué. Là, il trouve une belle touche, Julien Tilleul. Ah, initiative Biarrotte et belle récupération bayonnaise. Oui, au bout du coup de chasse, on voit. Là, c'est Gaëtan Marti qui arrive à passer les bras, malheureusement. Belle défense de Cojol qui arrive à intercepter le ballon en deux temps et à récupérer ce ballon. Alors Jean-Michel Gonzalez titularisé aujourd'hui, on a aussi un petit peu fait tourner du côté de Biarritz, notamment les joueurs qui avaient enchaîné 5 matchs de suite. On pense à Benoît Auguste et puis à Damien Traille. À Damien Traille aussi qui est remplaçant cet après-midi. Le banc de Biarritz est très très riche encore cette saison. Avec Julien Peyrelong maintenant, Thibault Lacroix en percussion, libération rapide au sol. On s'est mis à la faute du côté bayonnais et non. On va rendre le bénéfice de l'introduction à Julien Tilleul du côté bayonnais. On s'est pas du tout mis à la faute au sol. Non, le ballon qui a mis du temps à sortir et c'est un bayonnais qui est venu de son camp et qui est venu en percussion. Alors que je crois que Yachvili avait déjà les mains sur le ballon. Yannick Lamour derrière cette mêlée. Il est pris par Serge Betsen. Allez, Larrechea. Très très beaucoup de déplacement dans le tour de Philippe Bidabé. Et le ballon qui sort en touche dans les 22 mètres. Biarritz Olympique. En ce début de match, il est clair qu'on sent Bayonne vouloir occuper le terrain. Ils ont le vandal dos, ils veulent aller jouer chez les Biarros. Peut-être aussi récolter les pénalités pour tenter les pénalités. On ne les sent pas avoir envie de prendre des risques et de s'exposer aux contre redoutables de Biarritz. Je disais tout à l'heure lors de la composition d'équipe que c'était la première titularisation de Thomas Lièvremont au poste de troisième ligne centre. Erreur, il a joué la semaine dernière contre Agen, Thomas Lièvremont, mais c'est la première fois que cette troisième ligne royale en fait est alignée d'entrée. Harry Nordoki, Lièvremont, Betsen. Donc c'est la première association pour ces trois-là en championnat. Récupération, Sébastien Cojol. Et M. Massiello était intervenu. C'est Thierry Mantière que l'on voit ici à l'image, l'un des deux entraîneurs de l'aviron bayonnais, assisté dans sa tâche cette année par Gilbert Doucet. Et Peyo Alvarez derrière. Ancien arrière de l'aviron. Allez, toujours rien inscrit au tableau d'affichage. Je vous rappelle quand même que lors du dernier affrontement de ces deux équipes en championnat, c'était donc en 95. Eh bien, il y a eu un très petit score, 9-8, c'est Bayonne qui était plus imposé ici à Aguilera. Coup franc rapidement joué par Dimitri Yachvili pour donner du mouvement avec Julien Peyrelong. Martin Gaïtan, l'international argentin qui prend le trou en croisé avec Philippe Bernatzal qui a réussi à récupérer ce ballon. Et un petit en avant du côté Biarro. Et mêlée bayonnaise.
On voit la belle, toujours pareil, rapidement pénalité, rapidement joué, et puis les jambes de Gaëtan, du feu qui croise au dernier moment, et malheureusement, Philippe Bernatzal ne peut pas contrôler le ballon, sinon le jeu pour le Biarritz, il est là, hein, c'est mettre du mouvement, essayer d'emballer le match pour faire court ses baïonnés et trouver les intervalles. Allez, une mêlée légèrement chahutée que M. Massello va ordonner de refaire. Ouais, avec la changement de l'introduction qui passe à Biarritz. Avec l'introduction pour Dimitri Yachvili, la grosse pression des Bayonnais. Pénalité contre le Biarritz Olympique sur cette mêlée. Ah, ils se sont fait chahuter un petit peu les Biarrons. Et première occasion offerte. Et voilà, il est content Thierry Mantière. Première occasion offerte à Daniel Larechea. D'ouvrir le score à Aguilera, Biarritz, Bayonne, toujours à égalité, 0 partout. Alors qu'on vient de passer le cap des 10 minutes de jeu. Daniel Larechea, elle est dure cette pénalité, elle est loin. Presque 40 mètres décalé. Regardez ce beau ciel bleu. Daniel Larechea, la première tentative de pénalité dans ce derby, Biarritz-Bayonne. Et le ballon qui passe à côté, à droite des poteaux. Et dommage pour les Bayonnais, n'est pas payé sur cet effort, sur cette mêlée. Une pénalité qui a dû rendre beaucoup de fierté aux anciens joueurs comme Payot d'Hospital. Allez, renvoi au 22. Ah, petite incompréhension au point de chute avec Sébastien Cojol. Rapidement joué avec Yannick Lamour, mais M. Massillo intervient car le ballon n'avait pas fait 5 mètres. Ouais, surtout c'est Lamour qui a touché le ballon malheureusement sur cette incompréhension. Il n'a pas pris la balle de volée, il a touché la balle je crois avec la cuisse et du coup c'est Biarritz qui récupère le ballon. Avec un lancer à suivre pour Jean-Michel Gonzalez. À peu près à 40 mètres de l'embut de l'aviron bayonnais. Oh, il tarde un peu Jean-Michel Gonzalez et c'est rapidement joué avec Dimitri Yachvili sur le côté fermé. Allez, Philippe Idabé en position de demi-mêlée. Payre longue qui lance Thibault Lacroix et sa puissance. Mise au sol Thibault Lacroix, c'est reparti avec Serge Betsel, plaqué sèchement par deux bayonnais. Mais le ballon qui ressort tout de même avec Julien Payre longue dans son rôle d'animateur. Martin Gaëtan et qui trouve en croisée. C'est Jean-Baptiste, c'est Nicolas Brusque. C'était vu Bidabé sous la pression. Et M. Massiello qui intervient en avant les Bayonnais. L'avantage n'a pas profité. Il va redonner le bénéfice de l'introduction à Dimitri Yachvili. Il n'a pas pris un pied derrière. Il est toujours devant. Okay. Voilà, le jeu qui commence à se mettre en place. On voit les Biarrons qui essayent d'imposer leur façon de jouer en variant le jeu, en essayant de jouer rapidement ou alors en construisant avec c'est le 3-4 centre Lacroix qui vient en hauteur par des intervalles et libérer rapidement pour essayer d'enchaîner derrière. On est parti d'enfermer du côté de Biarritz avec Julien Perrelong. Maintenant il n'a plus l'intervalle. Il essaye de s'y engouffrer. Il est stoppé juste avant la ligne des 22. Dimitri Yachvili et intervention de M. Massiello. Pénalité pour Biarritz face au poteau sur les 22 mètres. Il y aura peut-être du carton dans l'air. Là, il appelle le capitaine Louis Massabo. C'est Thierry Cléda. Une fois un nouveau partenaire. Zone de plaquage, on sort. Ok, c'est l'avertissement là. Verbal. Et voilà, pas de carton jaune, petit avertissement. Verbal, il l'a dit, monsieur Massiello. Les Bayonnais ont eu chaud sur cette action, mais. Oui, c'est Thierry Cléda qui est pris par la patrouille, mais apparemment le geste paraît involontaire. C'est vrai qu'il plaque, qu'il ne fait peut-être pas l'effort complet de se retirer de la zone de plaquage et sans vouloir ramasser la balle et que Yachvili est gêné par Cléda. Et voilà Dimitri Yachvili qui s'est beaucoup entraîné hier après le dernier entraînement de Biarritz hier matin. Il est resté une demi-heure de plus pour perfectionner son jeu au pied, ses coupés de pénalité. Dimitri Yachvili, ça passe, les trois premiers points de ce derby pour le Biarritz Olympique qui mène 3-0 face à Bayonne.
Stéphane, on va rapidement demander à Patrice Lagisquier. Patrice, vous avez quasiment tous les ballons, mais vous avez du mal à vous défaire de cette défense. Peut-être qu'il faut d'abord passer par plusieurs temps de jeu au près avant d'écarter. Oui, peut-être, mais on n'a pas tous les ballons. On a quand même perdu 3 ballons sur les lancers en touche. On a fait une faute de main qui a failli nous coûter cher et on est peut-être un petit peu fébrile sur ce début de match, quoi. Mais pour ce qui concerne le jeu, la vitesse du jeu et le jeu au sol, là, bon, vous voyez, on fait encore une faute de fébrilité, mais on a un problème avec le plaqueur qui ne lâche pas, en fait. Il faut qu'on arrive à régler ce problème, qu'on s'engage plus, qu'on fasse un peu de routine, parce que sinon, on aura du mal à donner de la vitesse au jeu. Merci, Patrice. Et Patrice Lagisquier qui était très inquiet sur ce secteur de jeu, notamment le jeu au sol. Et voilà, tout de suite sur le coup d'envoi, juste derrière la pénalité de Dimitri Yachvili. L'équipe de Biarritz pénalisée, la même pénalité qu'a eu à tenter Dimitri Yachvili tout à l'heure. Bah, cette fois-ci, 30 secondes d'écart, c'est Daniel Larechea qui va tenter de tout de suite remettre son équipe dans le coup. Ouais, c'est vraiment une faute bête de Biarro, un cadeau. C'est bon pour Daniel Larechea et pour l'aviron bayonnais qui revient sur cette pénalité. 3 points partout au quart d'heure de jeu. Et voilà, ils se sont gênés, les deux Biarro. Brusque, la croix qui se brusque. Et le ballon qui part en avant est repris par un Biarro, donc qui est en position d'hors-jeu. Ouais, pénalité accordée bien justement par Monsieur Massiello et 3 partout. Avec le renvoi de Julien Peyrelong, très très haut dans le ciel. On s'organise à la réception de ce renvoi. Et Julien Tilleul qui joue rapidement au pied. L'avant-bleu, mais les rouges. Et l'introduction pour Dimitri Yachvili, alors qu'il y a un blessé déjà. D'ailleurs, il fait chaud, il fait très très bon cet après-midi, cette fin d'après-midi. C'est quasiment l'été. Et les organismes commencent peut-être à souffrir un petit peu. Voilà, du côté de Biarritz, on rentre pour apporter un peu d'eau pour que les joueurs puissent se désaltérer. Et il semble que c'est. C'est Bergès, je crois. Ouais, c'est vrai que Bergès. Sur ce. Le renvoi, il était en l'air, il était en extension, en retombant peut-être. Bon, ça va mieux. Bon, c'est vrai que pour les Bayonnais, hein, ce match, ils n'en font pas une priorité. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette rencontre pour l'aspect émotionnel. Mais c'est vrai que les Bayonnais, ils veulent plus se concentrer sur les deux prochains matchs qui les attendent contre Agen et contre Pau, qui seront très très importants pour eux, car ces matchs se joueront à domicile. Les Biarro à l'attaque, Philippe Bidabé contré, récupération Martin Gaïtan sur la ligne des 40. Attention au point de sol, attention sur le sol, le jeu au sol est pénalisé encore une fois. Les Biarro, Patrice Lagisquier énervé que l'on voit là-bas. Vous le reprenez. Patrice Lagisquier qui demande tout simplement à ses trois quarts de jouer beaucoup plus vite, de porter un petit peu moins le ballon. Oui, pour moi, il s'est exposé tout simplement parce que là, on avait la défense bayonnaise dans un fauteuil. Ils n'ont eu plus qu'à distribuer des cartouches. Ils venaient. Et on voit. Ouais, tout au premier tampon, ballon explosé. Et derrière Gaëtan, pareil. Là, les Biarro vont jouer sous la pression et ça va donner la possibilité aux Bayonnais, comme là, même à 60 mètres, avec le vent, de tenter 3 points. Et regardez, Daniel Larechea. Il en a manqué une la semaine dernière contre Bourgoin de plus de 50 mètres. Celle-ci, elle est quasiment à 60 mètres. Elle est face au poteau, 59 mètres. Daniel Larechea, troisième tentative pour lui. Oui. Ça passe. Et l'aviron bayonnais qui prend l'avantage pour la première fois dans ce derby. Bayonne 6, Biarritz 3. La belle attitude pour Daniel Larechea et la réussite au bout de ce coup de pied. Ils sont contents, les Bayonnais, 6 à 3. Et ils prennent les commandes de ce derby. Mais oui, ça passe au-dessus de la transversale. Mais Patrice Lagisquier l'a dit, du côté de Biarro, il va falloir être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif et incisif dans les phases de jeu au sol. Ouais, Bayonne qui joue tranquille, un groupé pénétrant, qui s'affole pas, très structuré. Ouais, ça progresse doucement mais tranquillement. Julien Tilleul, petit coup de pied à suivre. Monsieur Massiello laisse jouer à la récupération. C'est Thibaut Lacroix avec son numéro 13, coup de pied à suivre de Thibaut Lacroix. Larechea pour Benjamin Thierry, son pied droit. Avec l'aide du vent, et il a trouvé une belle touche. Et Philippe Bernatzel qui ne va pas la jouer rapidement. Très belle touche trouvée par Benjamin Thierry. Thank you.
plaquage de Serge Betsen, mais Monsieur Massiero avait laissé jouer. Hein. Il avait laissé jouer, il n'a pas donné pénalité au point de chute de ce coup de pied. C'est toute une action en fait dans le mouvement. On est lancé pour Jean-Michel Gonzalez, touche importante pour l'équipe de Biarritz. Un alignement complet et la belle prise de balle de David Cousinet. David Cousinet qui a participé à la dernière tournée de l'équipe de France aux États-Unis et au Canada cet été. Et qui passera les tests physiques, on vit les tests de l'automne, les tests physiques demain à Marcoussis. Et voilà les groupe pénétrant de Biarritz. Le ballon pour Dimitri Yachvili, sorti de balle un peu perturbé. Et pénalité. Pénalité. Le Biarritz est contre le vent. Pénalité donc pour Dimitri Yachvili, pied gauche. Très belle touche. Qui va permettre au Biarro de jouer cette touche dans les veines de Bayonne, de se donner la possibilité peut-être de concrétiser. Ça va Didier. Et voilà, les Bayonnais avaient progressé tout à l'heure. Regardez la belle réaction des avant Biarro. Et la touche intéressante pour Jean-Michel Gonzalez dans les 22 mètres de l'aviron bayonnais. Lancé le Gonzalez. C'est belle récupération au milieu d'alignement. Et voilà, on essaie de se structurer. De se structurer côté Biarritz sur des axes à gauche. On est bien groupé. Avec l'aide de Thomas Livremont, le capitaine. Et pénalité. C'est un peu chaud. Avec notamment Stéphane Delpuech. Ah, ouais. Monsieur Massiello. Je crois qu'il va y avoir. Là, il va y avoir du jaune. Il va y avoir du jaune. On va écouter Monsieur Massiello. Stéphane Delpuech qui revient lui de suspension après quelques semaines d'absence. Il est venu sur la pénalité précédente. Voilà. Il avait laissé traîner les mains. Allez, au bout de 20 minutes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bayonne qui jouera donc à 14 pendant 10 minutes. Voilà, on voit le regroupement. On voit les Bayonnais qui sont en bas. Effectivement, Stéphane Delpuech qui fait couler le regroupement. Et Biarritz qui joue au pénal touché, qui a un de plus, donc 15 contre 14. Vont tenter certainement un groupe pénétrant, gagnant. Allez, à 10, 5 mètres de la ligne, même pas, la belle récupération dans l'alignement pour Biarritz. Les Bayonnais sont un de moins au niveau du paquet d'avance. Stéphane Delpuech vient d'être expulsé pour 10 minutes. Ça progresse du côté de Biarritz, peut-être le premier essai de la rencontre. Dimitri Yachvili à la commande. Ah, on se met un petit peu hors jeu du côté de Bayonne. On ramasse avec Iman dans la rinor de qui. On essaye de se restructurer autour de lui, mais ça défend bien. Bon, ça défend bien du côté de Bayonne. Allez, Dimitri Yachvili, on essaye d'y aller en force. Ah non, ils se sont bien remis debout, les Bayonnais. Regardez, les Biarro ne progressent plus. Il y a un petit blocage là, au niveau de ce groupe pénétrant. Et là, le ballon qui va sortir. Il n'y a plus de solution au niveau des avants. On va essayer d'en trouver une derrière. Yachvili pour Peyrelong. La combinaison avec Thibault Lacroix qui est bien pris par Daniel Arecchia, remis dans son camp. Et intervention de M. Massiello. La progression est bayonnaise et va rendre le bénéfice de l'introduction à Julien Tilleul. Ouais, c'est la défense qui a pris le pas sur l'attaque. Même à un de moins, on a vu de Bayonne très présent. Donc voilà, donc la tentative de pénétration de Lacroix. Qui vient à hauteur et qui tombe sur deux défenseurs bayonnais. Première ligne qui rentre. Hein, McLaren avec Arecchia, il est ramouillé dans son cas. Et côté bayonnais, c'est Jorge Garcia, le numéro 17, qui fait son entrée à la place de Louis Massabo pour disputer la mêlée en faveur des bayonnais. Ouais, on a fait donc rentrer un joueur de première ligne. 7, la mêlée. Bon affaire, messieurs. Bayonnaise. Allez, introduction de Julien Tilleul, il va falloir se dégager du côté de Daniel Larecchia qui est placé bien dans l'axe et assez loin. Récupération Yannick Lamour pour un premier point de fixation. Allez Tilleul, ça va monter rapidement. Daniel Larecchia et son pied droit qui trouve une très belle touche sous la pression. Il a éloigné le danger, on se retrouve sur la ligne des 40. Ouais, il se défend bien, les Bayonnais. Il va falloir pour Biarritz essayer de concrétiser.
dans cette période de supériorité numérique. Ouais, les premiers répondent présents maintenant. Je ne sais pas qu'il y ait beaucoup de force dans ces combats au près en étant un de moins. C'est sûr que Biarritz va les user là, va en abuser. La prise de balle du Biarritz Olympique et voilà les Biarrots qui progressent, on écroule du côté bayonnais, il va y avoir pénalité si ça ne profite pas, avantage en cours pour les joueurs de Biarritz avec Martin Gaïtan, la très belle combinaison en croisée avec Philippe Bernatsa. Oh, énorme plaquage sur Philippe Bernatsa, mais monsieur Massiello va revenir à la première faute, il va donner une pénalité pour Biarritz alors qu'on s'explique un petit peu au point de chute. Ce plaquage virulent sur Philippe Bernatsal. McLaren n'est pas allé de même mort. Voilà, on va la redoubler. Premier tampon sur la croix. Et la Gaëtan qui redonne à l'intérieur. Et il retombe dans les mains de McLaren et de Larachia. Ça fait beaucoup. C'est Gaillard. Tout simplement. On s'explique un petit peu partout parce qu'en fait, dès qu'il y a un point de rencontre, les Bayonnais mettent toujours la main sur le ballon, ce qui énerve considérablement les Biarros, d'où des rockings, d'où des mauvais gestes et un petit peu d'énervement après seulement 25 minutes de jeu, on va dire. Allez, Dimitri Ejvili, la pénalité. Et il a décidé de rapprocher son équipe. Et on se retrouve maintenant dans les 22 mètres. Petite histoire hein, qu'entoure ce match, il y en a beaucoup alors qu'on leur envoie la faute. Les deux équipes normalement vont au même endroit pour préparer leur rencontre du côté de Chiberta, du côté d'Anglette. Et là, forcément, il a fallu choisir. Ce sont donc les Bayonnais qui se sont inclinés et qui ont préparé le match ailleurs, laissant les Biarros à leur préparation habituelle et à leur lieu habituel. Mais au match retour, ça sera sans doute l'inverse. La pénalité contre Biarritz. Ouais, c'est Biarritz qui est pris sur les impacts. Alors peut-être que les Bayonnais effectivement mettent la main sur le ballon, mais s'ils mettent la main sur le ballon, c'est qu'ils peuvent. Donc ça veut dire peut-être que les Biarros, eux, dans le soutien du porteur du ballon, ils sont un peu trop éloignés, moins présents dans les impacts. Ils veulent jouer avant peut-être de gagner ces ballons. Ça, je pense qu'à la mi-temps, les entraîneurs seront leur dire. Et Nicolas Brusque à la relance du côté de Biarritz, au prix encore un peu haut, mais pas de libération de balle de Nicolas Brusque. Renversement avec Peyrelong qui vient à la corde. Bien joué pour Philippe Hidalet, l'accélération de Philippe Hidalet qui trouve en croisé Martin Gaïtan. C'est bien joué, il est repris. Il est repris dans les 22 mètres par 1, 2, 3, 4, 5. Bayonnais, le ballon qui va ressortir. Il y a du rocking, notamment de David Cousinet, et pénaliser les Bayonnais. Là, ça va s'échauffer. Ça va s'échauffer dans les phases de jeu au sol. C'était la crainte de Patrice Tagisté justement. C'était sa crainte. Que les Bayonnais pourrissent un petit peu les sorties de balles. C'est bon. Je vous rappelle que Bayonne est toujours à 14. Et c'est Thierry Cléda qui reste seul apparemment sonné. Et peut-être que vous le voyez, mais au milieu du terrain également sonné. C'est Guillaume Combe, le troisième ligne, elle, de l'aviron bayonnais, après un sévère choc au milieu du terrain. On commence à laisser des traces. Thierry Cléda qui a fait appel au soigneur. Un peu d'eau pour arranger tout ça. Et le deuxième ligne de l'aviron qui va très probablement reprendre sa place. Alors qu'il y a une énorme explication sur le bord de touche avec Julien Feuillet-Roland de Thierry Cléda. Et Thierry Cléda justement qui prend un carton jaune donc qui ne retrouve pas sa place. Et Bayonne à 13. À 13 pendant quelques minutes encore. Et à 14. Avec l'entrée bientôt de Stéphane Delpech, ça commence à faire lourd. Et ça, ce qu'on va faire, est-ce qu'on attente, est-ce qu'on se rapproche? On va se rapprocher avec Dimitri Ejvili. Ouais, beaucoup d'énervement, Thierry Cléda qui a pas l'air d'accord avec M. Massiello. Ouais, c'est tendu. Mais il est certain que la pression est bien haute et les Bayonnais se mettent à la faute. La prise de balle de David Cousinet en début d'alignement. Et voilà le pack de Biarritz qui progresse. Les Bayonnais semblent écrouler. Il va y avoir essai pour Biarritz accordé par M. Massiello. Essai signé Denis Avril. Essai de Filou sur le petit côté. Et voilà Biarritz qui reprend l'avantage dans ce derby. Biarritz qui mène après la transformation. 8 à 6. Premier essai du derby. Essai de Denis Avril. Ah, il y a de l'ambiance. On ne s'entend quasiment pas parler avec Yannick, c'est vrai. C'est un peu compliqué. Mais enfin, regardez, voilà, on va voir tout ça. Alors voilà, les Biarros qui, sur cette touche, effectivement, ont pris le dessus. Et c'est Denis Avril, comme un petit demi de mêlée, un petit demi de mêlée costaud, qui a pris la tangente sur le côté, qui s'est échappé du regroupement. Deuxième essai en championnat pour Denis Avril, le pilier marqueur de Biarritz.
et la transformation à suivre. Le pied gauche de Dimitri Yachvili, 22 mètres, décalé sur la droite de poteau. Ouais, c'est bien parti, bien parti. Ça passe et c'est 2 points de plus pour Dimitri Yachvili pour Biarritz. 8-6 Biarritz en supériorité numérique a repris les commandes de cette rencontre. Oui, ça va se compliquer pour Bayonne hein, à 13 contre 15. Même avec le vent, ça va être compliqué pour eux de résister maintenant à Biarritz. Et on va surveiller le nombre d'essais inscrits avec depuis l'introduction du bonus une équipe qui a inscrit 4 essais dans une rencontre décroche un point de bonus. Et pour une équipe qui perd un match, si elle le perd sur un quart inférieur ou égal à 7 points, elle empoche également, même en cas de défaite, un point de bonus. Dimitri Yachvili derrière cette. Elle est ouverte. Ouh, il a failli prendre le trou, non, il a été stoppé au ras de son groupement. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Biarritz 10, Bayonne 6. C'est le coup de pied de dégagement de Julien Peyrelong. Julien Peyrelong qui ira comme David Cousineau d'ailleurs après-demain sur Paris, dans la région parisienne, à Marcoussis au Centre national de rugby français pour passer les tests physiques en vue des matchs de l'équipe de France au mois de novembre. Bayonne a tout intérêt à ralentir le jeu, hein. On ne les voit pas se presser, ils ont tout intérêt. Yannick Lamour qui a bien capté ce ballon. Ouais, mais là ça va être compliqué devant pour les Bayonnais qui essayent de désaxer. Ça, ils y arrivent, ils sont passés, mais il y a Jean-Michel Gonzalez qui est là. Qui ne va pas laisser progresser l'affaire. Tilleul, Tilleul pour la Reccia, combinaison derrière, c'est monté très vite du côté de Biarritz en défense. On a du mal à s'en défaire de cette défense biarrote. Et M. Massiello qui intervient et qui va donner pénalité pour Bayonne. Toujours la même faute, c'est le plaqueur là, qui ne fait pas l'effort de se sortir de la zone de plaquage. C'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut reconnaître quand même que quand on est pris sur des regroupements, il est difficile de se sortir. Alors entre la volonté du plaqueur de rester, de ralentir, de traîner, et puis un qui est pris, et c'est vrai que c'est pas facile à arbitrer. La Reccia s'est montée très très vite en croisée avec James McLaren, bien pris là par Imanol, Harry Nordoki et puis par Jérôme Thion. Et on a vu derrière, les Biarro se sont fait pénaliser et Daniel La Reccia, fort de sa réussite tout à l'heure de 59 mètres, va à nouveau tenter la pénalité des plus de 50. On va les appeler comme ça, la pénalité des plus de 50 pour Daniel La Reccia. Allez, on va dire quoi? On va chiffrer ça à combien? 53 mètres. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a le vent pour, vous voyez les drapeaux au-dessus de la grande tribune du Stade Aguilera. Le vent pour Daniel La Reccia et la réussite. Ah, c'est 3 points. Et Bayonne qui revient à une toute petite longueur du Biarritz Olympique. L'aviron bayonnais n'est plus mené que par 10 points à 9. Et les Bayonnais qui vont se retrouver à nouveau à 14 puisque Stéphane Delpeuch revient de son carton jaune et que Louis Massabo va pouvoir réintégrer le terrain à la place de Jorge Garcia. Mais Bayonne toujours à 14 donc. Avec l'exclusion temporaire de Thierry Cléda tout à l'heure. Ouais, mais Bayonne à 13 qui a quand même marqué 3 points. Hein, ça doit passablement énerver Patrice Lagisquet. Le renvoi de Julien Peyrelon, renvoi milieu de terrain. Et le coup de sifflet immédiat de Monsieur Massiello. Et voilà, une petite faute d'inattention côté Thierry Cléda, il a le sourire. Il garde le sourire, Thierry Cléda, malgré ses 10 minutes au frigo. Ouais, il part juste avant les Biarro. Sur ce coup de pied de renvoi de Julien Peyrelong, oh là, la pression, la forte poussée du pack de Biarritz. Daniel La Reccia, coup de pied décroisé, super dans le dos de Philippe Bernatza. Le rebond, attention, ça peut être dangereux. Avec Vincent Loutari, il y a un très très bon coup à jouer. Et peut-être laisser Bayonnais au bout avec Loutari qui remet intérieur, c'est bien joué. Moment d'inattention de Philippe Bernatzal et l'essai pour les Bayonnais. Mais un essai partout dans cette rencontre. Et voilà le peuple bayonnais qui chante. Quelle erreur des Biarro et Guillaume Combe, donc qui a inscrit cet essai. Voilà le capitaine Louis Massabo.
et Guillaume Combe. Regardez Philippe Bernatza, alors il oublie le ballon en route, et là derrière ça va vite. Il marche sur le ballon, et derrière McLaren qui gestera avec beaucoup de chance, et ça revient à toi, à moi, et là, sans doute arrive. Là. C'est bien joué. Combe qui marque. Et ça vient pourtant sur une mêlée enfoncée des Bayonnais qui étaient à mal. C'est bien joué côté Bayonne. L'attention de Philippe Bernatzal qui coûte cher. Qui coûte cher pour l'instant. Et la transformation de Daniel Larechia. Non, ça passera à droite. Ça passera à droite, mais c'est Bayonne qui a repris les commandes. 14 points à 10 à 5 minutes de la fin de cette première période. Le beau travail de Vincent Moutari. Immédiatement le regard sur le soutien, il sert James McLaren. Moutari qui se replace derrière et laisse derrière. Ouais, la finition de Guillaume Combe. Un essai partout dans cette rencontre. Et le coup de pied de renvoi de Julien Peyrelongue. Récupération justement, James McLaren pour Bayonne. Commence un peu à s'agiter dans la tribune, c'est pour ça qu'il y a un petit moment de flottement. Daniel Larechia, très très beaucoup de pied, des déplacements encore, une demi ouverture de l'aviron qui ramène le jeu et les opérations dans le camp de Biarritz. Ouais, Larechia qui est quand même dans un fauteuil pour diriger le jeu, qui arrive à bien distribuer le jeu au pied, donc ça veut dire que la pression Biarritz n'est pas ce qu'elle devrait être. Eric, Stéphane, rapidement avec Thierry Mantière. Thierry, votre équipe fait un petit peu le doron puisque j'ai deux cartons jaunes successifs, mais vous êtes bien en place en défense et puis vous n'avez pas de complexe face à cette équipe de Biarritz. Alors, ça, c'est un peu la nouveauté du jour, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on se met bien en place en défense, c'est vrai qu'on souffre un peu de notre générosité sur les fautes et on a fait deux cartons jaunes qui nous coûtent un essai. Il ne faut pas laisser jouer les Biarros, la preuve maintenant je crois qu'il ne faut surtout pas laisser se réveiller parce que c'est un géant qui dort pour l'instant. Merci beaucoup. Ouais, mauvaise passe de Martin Gaïta, mais récupération pour Iman Nola, Rinordoki, l'offensive était menée par Julien Peyrelongue dans le fermé. La belle Chistera de... Oh là, quelle erreur. Encore des Biarros qui rendent le ballon au Bayonnais à Stéphane Delpuet. Julien Tilleul, il a vu qu'il n'y avait plus personne en couverture. Et le coupé qui sort directement malheureusement pour lui et pour Bayonne. Ah, les Biarros, ils tentent des choses mais ils se font contrer. Ils se font contrer dans leurs initiatives et ils y laissent du jus, les Biarros. Ils n'arrivent pas à inscrire des points en supériorité numérique. Oui, Thierry Mantière qui parle d'un géant qui dort, d'un géant qui fait des erreurs. C'est vrai qu'on sent qu'il y a des chevaux sous le capot, on sent qu'il y a des possibilités côté Biarritz, mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Il leur manque leur dernier geste, ils ne s'appliquent pas, il leur manque le petit détail qui fait la différence. Et pourtant, la prise de balle était belle, ballon volé juste pour. Pour une action rapidement menée par Philippe Bidabé et un petit contact. Faute grossière avait remise à l'intérieur de Peyrelongue sur Bidabé. On les voit, ils discutent entre eux, c'est vraiment faute positionnement sur le terrain, une faute inattention. Et c'est vrai que quand on a au rugby, au sport de haut niveau, les détails font souvent la différence. Et les Bayonnais à 15 contre 15 maintenant, puisque Thierry Cléda vient de terminer sa suspension. Pour les deux dernières minutes du temps réglementaire de cette première période, Patrice Lagisquet est inquiet, on le comprend. Pour l'instant, c'est Bayonne qui mène à Aguilera, 14 points à 10. Harry Nordoki derrière cette mêlée, un peu n'importe comment pour Philippe Bidabé. Et là, il est énervé, il est colère, Patrice Lagisquet. Et le jeu de son équipe semble s'effriter un petit peu, de perdre de sa contenance. On semble perdre des repères de jeu beaucoup du côté de Biarritz. Beaucoup de repasses dans le vide, des passes mal assurées. Et surtout qu'on fasse des ballons jetés et puis Bayonne défend. Bayonne s'applique, est sérieux et on ne peut pas jouer comme ça. En face, il y a défense et il y a pression et il y a lancé de Christophe Laurent et la récupération est bayonnaise. Julien Tilleul à la commande, Daniel Larechia dans ses 22 mètres pour un coup de pied en touche direct. Oh, il préfère la jouer, mais en pied gauche. Il s'est remis sur son pied gauche, il a été chassé par Serge Betsen. Oh, la récupération de Philippe Bidabé, en avant de Philippe Bidabé qui tape directement en touche. Voilà, des détails dont vous parliez, Eric, toutes ces petites choses qui font qu'une équipe s'installe dans la rencontre plus qu'une autre. Et des petites choses qui font perdre confiance aux uns et redonner confiance aux autres. Mais pour l'instant, c'est le cas. C'est le voisin bayonnais qui a un petit peu le dessus, qui a souffert avec ses infériorités numériques, mais qui s'en sort très très bien au niveau du score. Et pénalité contre Biarritz. La mêlée Biarrotte
pénalisé. Voilà le geste de monsieur Massiello. Denis Avril qui est sanctionné. Il est droit qui a poussé en travers, qui a passé son épaule. Okay. Christophe Laurent, il est temps certainement que la mi-temps arrive pour les Biarros. Et là, il va y avoir séance dans le vestiaire du Biarritz Olympique avec Patrice Lagisquet. Croyez-moi que Patrice Lagisquet va leur parler du pays à ses joueurs. Voilà, Emmanuel Arinordoki et Christophe Laurent un peu chahuté sur cette mêlée qui se relève tant bien que mal, et la mi-temps va être bienvenue. Il commence à prendre des notes. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. 2 minutes de plus donc pour la première période de ce derby. Et Daniel Larechea, lui, il est déjà en position, il se concentre, le ballon sur le tee pour creuser l'écart. Et oui, car Bayonne mène à Biarritz. Non, ça va passer, ça passe pour Daniel Larechea. Et c'est 3 points de plus, 17 points à 10, à un essai transformé d'écart maintenant les Bayonnais. Allez, ça va parler dans les vestiaires, et je peux vous dire que ça va parler aussi dans les tribunes. Hein. Dans les tribunes, elle va faire parler cette première période et cet avantage au score pour l'aviron bayonnais. Et voilà, ballon encore perdu par les Biarros. Et récupération de Stéphane Delpuès, Julien Tilleul, ils ont tous les ballons. Pour l'instant les Bayonnais, Daniel Larechea, il ne va pas se faire prendre. Philippe Bidabé ici, rebond favorable encore aux Bayonnais. Ah, quand ça réussit, hein. Avez la réussite. Les rebonds sont bayonnais, l'initiative est bayonnaise, même si on sent que la force peut être du côté de Biarritz. On voit que Bayonne dirige bien et maîtrise bien ce qu'elle fait, alors que Biarritz a tendance à s'emballer, à prendre des initiatives et faire des choix mais qui se révèlent très négatifs. Et on attend Guillaume Combe du côté de l'aviron bayonnais, toujours un petit peu sonné. Guillaume Combe, le marqueur d'essai de cette première période, alors que le temps passe et Biarritz toujours derrière. Et voilà, il va reprendre sa place. Guillaume Combe pour cette dernière action, cette dernière touche de la première période avec ce lancer de Jean-Michel Gonzalez. Lancer de Gonzalez et prise de balle d'Arinordoki. Et ça joue, Yachvili pour Peyrelong. La dernière attaque pour Biarritz, Cibo Lacroix. Pour Martin Gaïtan en avant, encore de Philippe Bidabé. Et avantage en cours, la récupération pour James McLaren pour Bayonne. Allez, les Bayonnais dans le bon sens. La charge de Yannick Lamour. Et la progression des avants de Bayonne en désaccès. Ils sont revenus les Biarros. Et regardez, il y a 4 Bayonnais pour 3 Biarros, ça progresse. On est à l'entrée des 22 mètres. Tilleul sur le fermé avec McLaren, la passe pour Stéphano Sepp qui oublie ce ballon en route, la touche et la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce derby du Pays Basque à Biarritz. C'est l'aviron bayonnais qui mène 17 points à 10. Come together.